pareil. De la maison à 22h45, je me suis retrouvé au Black and White en train de taper les divers avec Bouka et certains gars ont tué un peu le temps là. Après ça, je suis allé regarder un peu sur Isidore Penda comment la forêt se passe là-bas. J'ai mis Isidore Penda n'est même pas là, il est à Paris. J'ai trouvé dans Nikita, j'ai trouvé Semeng, j'ai trouvé Siaka, le prince d'Aqua, Siaka, qui dort même chez lui, qui dort même dans son appartement avec lui, avec d'autres gars. C'est mis, on a commencé à taper les divers, il tient que le bois, le 18 ans. J'ai pris une petite guinée, j'ai commencé à boire. Taper les divers. Après, Siaka, il appelle l'économie, il dit à l'économie, position, l'économie lui dit, gars, moi je suis en train d'aller chercher un gars, une jeune présidente de l'anga. Après, Siaka lui dit que, gars, il me prend, gars. Moi je veux que tu t'assures, moi je veux que quand tu t'assures, il me prend. L'économie était sur Guy Manager, avec Seri Kitsanga. Il dit, tiens, maintenant, lui, maintenant, ils sont séparés de chez Guy Manager. Sans les rendre visite à Guy Manager, ils ont fait parler tout et tout. Après, lui, maintenant, il quitte pour se retrouver à Titi Garage pour aller prendre Ivana. Moi particulièrement, moi je descends maintenant au Marilis, que tu connais bien chez Isidore Penda. Je trouve Serge Asso, je trouve Justin Gou avec les Sanguine Kwa et Oakland. Donc sur la table, on dit que Justin Gou, Serge Asso avec un autre grand là et moi. Avec Hervé, donc parce que c'est 5 personnes, le reste là c'était que les filles, elles étaient celles-ci. On est là. Après, Serge dit, bon, gars, on s'amuse là. Ils ont le champagne, il y a une bouteille de whisky. Serge dit, vivez là-bas, on forme tout cela, on met Serge dans la voiture. Ils ont aussi dit qu'il part. Et donc, maintenant, quand tous ces grands-là partent, je suis resté donc avec Hervé. Il y a le Didi donc qui a mis une fois au Diego, qui anime au film présentement, qui anime au Diego, qui n'est pas, dont la petite Rougri. C'est lui qui s'est réveillé, il faut en courant, il dit gaga. Sanguine Kwa vient me dire là que l'économie est morte. Hervé, elle a sa voiture garée. On dit attends. On appelle Momo qui est à l'avenue qui l'a dit. On dit à Momo que, car Momo le décoche mon téléphone. Momo décoche mon téléphone. C'est donc comme ça que Sanguine sort, dit que gars, l'économie est morte. En criant, en pleurant, on demande la voiture, on arrive à l'Omnisport. Le métro ne couvre pas encore beaucoup de gens. On couvre le corps étalé. Quand je tourne la face comme ça, je vois Seri Kitsanga en pleurs. Je couvre les gens qui sont en train de pleurer, crier. Je dis, bête, qu'est-ce qui se passe? L'économie. Je viens vers le corps comme ça, je soulève le. Il y avait le puits avec une capuche sur lui. Je soulève ça. Je dis, bête, le crou, un gros coup comme ça. Sur la poitrine. Ils ont mis le couteau. C'est donc comme ça que. Un gars se rapproche vers nous, il nous dit, voilà ce qui s'est passé. Parce que lui, il a vécu avant que ça ne dégénère. L'économie s'est retrouvée en train d'aller prendre Ivana et Somba. En parlant de prendre Ivana et Somba, ça n'a rien à voir avec ce que le gars a dit sur la voice note. Lui-même, il n'est même pas. Lui-même, il n'a aucune bonne version là. Donc il ne connaît absolument rien. Ce que nous on suspecte encore, c'est que ça peut être un règlement de compte, mais commandité par quelqu'un. Mais je ne te mens pas que cet enfant a été tellement piqué, poignardé au dos et derrière que
on ne peut pas imaginer ce que j'ai de rancune ça. Donc, comme je vous disais, je te disais, donc il a garé dans la voiture, il venait son père ancré, il a démarré la voiture. En roulant donc, il a donc bousculé une moto. Quand il bouscule dans la moto, le motoman tombe. Ça commence donc à tirer, donc ça, la moto s'accroche sur le capot de derrière. Ça commence donc, il sent un bruit, il clanque, il y a un bruit. Dis que, mais c'est quoi? Entre-temps, quand il se retourne comme ça, il voit une moto, il voit vraiment le gars est en train de courir au volant, au volant, au volant, au volant, au volant, au volant. C'est comme ça que ça n'a même pas fait 2 minutes, il voit les motos qui sont derrière lui comme un fou. Il s'arrête donc. Il dit, il y a quoi? Il y a quoi? Il dit, gars, man, un voleur, c'est quoi ça? Il dit, c'est pas un voleur. Hey, on lui donne d'abord un premier poignard derrière le dos. Choup! Il entre dans la société, il dit, il veut que. Mais les gars, ils veulent m'agresser, les gars, ils veulent m'agresser. Il tourne sa voiture. Les gars prennent le caillou. Quand il a tourné comme ça, les gars prennent le caillou. Les gars lancent la pare-brise. Ça casse la pare-brise. La cabine se casse quand même, mais ça fait les fissures, les grosses fissures. Il part devant la brigade. Pas devant la brigade de la brigade de Domisport, là, qui est en face du stade, là. Il tombe. Il commence à crier. Aidez-moi, 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 aidez-moi. Il voit comment les gars sont en train de venir. Il entre dans la voiture. Il entre dans la voiture, il démarre la voiture. Il démarre la voiture comme ça. Il commence à rouler la moto. Toujours la moto là est toujours sur le capot. Il démarre la voiture. Il démarre la voiture. Il commence à rouler, 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 rouler. Il vient maintenant, il voit maintenant une bande de gars qui sont là au rond-point, au pont là, il y a le rond-point là. Comme si tu descendais, comme si tu partais comme si tu partais vers Omnisport. Il s'arrête là, il dit, aidez-moi, 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 sauvez-moi, sauvez-moi. Les gars, quand les gars s'approchent, le motoman vient là, le motoman l'encercle. Il dit que je vous ai fait quoi? Je vous dois quoi? Je vous ai fait quoi? C'est comme ça qu'un autre gars inconnu, qu'on ne connaît même pas, qui est identifié, qu'on ne connaît pas, il sort, il met à l'économie ici devant la poitrine, choum, long couteau. L'économie a son iPhone, a son porte-monnaie, a ses bijoux. Tout ça, on le recrute. L'économie commence à courir, à courir. Il laisse même Ivana dans la voiture. Il commence à courir comme ça. Il tombe avec la tête. Boum! C'est comme ça donc, il se retourne comme ça. Allez, lâche. L'économie est mort sur place. Les gars, maintenant, tous les taxis, les motomans, là, commencent à fuir, à prendre les routes, les destinations différentes. Brum, 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 brum. Les gars commencent. C'est donc comme ça, donc, il y a une patrouille, donc, qui est en train de monter à Dover et Force. Une patrouille de la police. Ils voient deux gars sur la moto. Ils les interpellent avec le couteau. Le couteau se pendait. On avait le sang. On avait le sang sur ses vêtements. La police dit, arrêtez-vous, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Donc vous êtes même des bandits, arrêtez-vous. On laisse sur les armes. On dit que vous sortez d'où? C'est comme ça donc qu'on appelle donc la même parcours pour faire comprendre qu'il y a encore ici là qu'on vient de tuer. C'est comme ça qu'on arrête les deux petits là. On les amène d'abord à la DPJ. Après ça, on les amène encore comme ça central. On était tous là, Karine. Karine, tout le monde est arrivé. Les pleurs, tout le monde est arrivé. Tout le monde est arrivé, la matinée est arrivée, tout le monde est arrivé, tout le monde est arrivé. On a pris le code de l'économie, on est parti avec le code de l'économie à l'hôpital général. Hôpital général, on est arrivé là-bas, on a trouvé près de 40 corps par terre. Comme dans mes là-bas, il n'y a même pas d'espace, il n'y a pas la place. On est parti ici là, le coq qui est tombé, comment on l'appelle encore la morgue qui est tombé, qui là, plein aussi. Je ne sais pas comment on l'appelle encore, c'est quoi. Djungolo, on est parti à Djungolo, plein. C'est comme ça qu'on dit qu'on prend au secteur. Karine, quand on arrive au secteur, c'est aussi plein. On se met à négocier la place pour mettre Fombo, on regarde Fombo. Tout ça, Fombo est dans sa voiture. Et la moto est devant là-bas, je suis, on est derrière avec le Ketchanga, tout le corps, on est remonté près de 50, 45 voitures. Et tout le monde est en pleurs, on arrive dans comme ça. C'est moi qui portais le corps, j'ai mis même, je suis parti mettre le corps là-bas. Quand j'étais dépassé, quand en même temps, je vois l'économie couchée, innocent, je vois les autres corps comme ça qu'on va livrer tout à l'heure là.
Tu nous demandes que, hé, Adjob, hé, Seigneur Jésus, c'est quoi ça? Maintenant, on est en train de faire une, on est en train de mener une enquête. Puisque son téléphone a disparu, on va essayer de craquer ça. On est en train d'ouvrir une enquête. On est en train d'ouvrir une enquête carrément. Donc, la fait, si on va, on saura. On saura qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On saura carrément. Tôt ou tard, j'aurai des. Donc, après la morgue, on a fait une messe là rapide avec Anguilla Fouda, tous les gars, tout le monde là, tous là, tous. On a fait une messe, après nous sommes partis chez la maman Bastos. Les pleurs là-bas, les pleurs. Elle nous a donné cache-nez à tout le monde, elle reste là. Je suis quitté là-bas à 8 h. Elle a dit qu'elle va attendre ses frères, mais le programme serait anticipé. Il y aurait du ça, c'est pas encore qui va bien que l'on a la mort. Voilà ce qui s'est passé, Karim. Voilà ce qui s'est passé. Bonjour à tous, je suppose que c'est pas la grande forme pour tout le monde. On m'envoie des notes vocales qui circulent, c'est bidon. Donc beaucoup de gens disent qu'ils attendent, machin, truc, mon explication, mais je vais comprendre mon émotion, je suis sous le choc, je suis choquée, je suis pratiquement traumatisée. Mais je vous rassure, je vais bien physiquement. On ne m'a pas déshabillé, on ne m'a pas dit tout ce qu'on fait dans la dit ce qu'on dit tout ce qu'on on ne m'a pas fait tout ce qu'on dit dans la vidéo. Mais ils m'ont agressé. Ils ont voulu prendre mon téléphone. Je me suis débattue comme j'ai pu, ils n'ont pas pu. J'ai gardé tous mes bijoux. En fait, ils n'ont rien pris sur moi. Ils n'ont rien pris. Ils m'ont juste cassé un ongle, comme vous voyez. Et sans plus. Donc voilà, quand j'aurai un peu de temps, je ferai un. Je ferai une note vocale pour vous dire ce qui s'est passé. Nous sommes tous conscients ici que c'est une grande perte pour tout le monde. Parce que malgré le caractère qu'il avait, c'est quelqu'un qui était proche de beaucoup de personnes, qui aidait beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, nous devons tout simplement d'être solidaires, d'être soudés. Parce que nous perdons un être qui était cher. Nous avons perdu, pardon, un être qui était cher. Et donc nous devons d'être soudés au lieu de se tirer les uns sur les autres. Et que ça serve également de leçon à tout le reste, parce que ça peut arriver à tout le monde. Il y a quelques jours, on a perdu quelqu'un. Aujourd'hui encore, on perd quelqu'un. Je pense que nous devons quand même nous remettre en question. Et voilà, je vous souhaite bon courage à tous, parce que les statues. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à ceux qui écoutent l'audio. Je ne vais pas mettre long mot, donc je vais juste prendre un peu de votre temps pour essayer de ramener en quelque sorte certaines jeunes filles, certaines filles, certaines de mes copines, pour essayer un peu d'ouvrir les yeux. Ouais, c'est pas possible. Si tu sais que tu es la nourriture des grands, laisse les enfants des gens tranquilles. Laisse les enfants des gens tranquilles. C'est quoi? La vie, c'est un choix. Ou tu choisis marcher avec les bics, avec les boss là, avec les milliardaires, avec les hommes puissants. Ou tu choisis d'avoir ton bon gars et vous évoluez ensemble. La vie, c'est un choix. On n'a pas les deux. On n'a pas les deux. On n'a pas les deux. La vie, c'est un choix. Moi, je ne comprends pas. Les filles aujourd'hui, tu veux être en haut en même temps en bas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ce qui m'énerve même dans l'histoire, c'est que la bonne dame revient et nous dit, genre, eh, franchement, ils m'ont touché, ils m'ont juste touché, et puis j'ai juste cassé mon ongle et tout, franchement, mais je n'ai rien eu, je vais me reposer ensuite, je vais vous dire plus tard ce qui s'est passé. Non, mais attends un instant, tu as pensé à sa famille?
Tu as pensé à sa pauvre mère? Tu as pensé à ses amis, ses frères, ses soeurs? Non, mais attends, on est où? On tombe du ciel là. Non, mais les filles prennent tout pour de la rigolade. Tu étais avec un gars. On vous a agressé. Toi, on ne t'a pas touché. On ne t'a rien pris. Tu m'as dit quoi aux gens que ce n'est pas un règlement de compte? Si tu sais et tu es consciente que tu marches avec les hommes puissants, ma chérie, tu assumes. Tu restes dans la grande cour. On ne mélange pas. On ne mélange pas. Tu restes là-bas. Non, mais c'est terrible. Viens même essayer un peu de te lamenter. Fais même semblant d'avoir pitié. Pleure même. De toute façon qu'on dise que, ouais, oh, la fille, si vraiment elle a pitié, vraiment elle a souffert. On ne voit aucun remords sur son visage. Aucun remords, même pas les larmes, même pas. Elle prend le temps de bien filtrer sa photo pour qu'on comprenne que non. Non, ma chérie, tu es jolie. Non, mais c'est terrible quand même. C'est quand même, je ne sais pas. Les réseaux sociaux sont devenus au Cameroun comme, je ne sais pas, comme la maladie. C'est-à-dire, à chaque situation, on en profite pour devenir célèbre ou pour devenir star ou bien pour devenir quoi, je ne sais pas. Dans quel état est-ce que sa famille peut se trouver aujourd'hui? On ne sait pas. Dans quel état sa mère se trouve, sa pauvre mère peut se trouver à l'instant où je parle là. Mais la bonne dame vient nous dire comment elle a cassé son oncle, comment on n'a pas pris. Elle s'est débattue pour prendre son téléphone. Tu n'étais pas débattue pour essayer de sauver le gars, mais tu t'es débattue pour prendre ton téléphone et puis tu t'es débattue pour. Et vraiment, je n'ai rien eu, seulement mon oncle qui s'est cassé. Tu nous montres ton vernis gel de 10 000, de 15 000 et tout. Non, mais tu prends les gens pour des malades. Non, mais c'est terrible quand même. Tu vas nous expliquer plus tard ce qui s'est passé. Oh Seigneur. Pendant que les gens pleurent. Pleurent. Non mais c'est pas possible. Peu importe ce qui s'est passé. Même si c'est un règlement de compte. Même si c'est n'importe quoi. Je suis déjà choquée par la vidéo que tu as faite. La vidéo là me fait d'abord très mal. Peu importe le genre, j'ai dit peu importe ce que tu vas dire plus tard, ça n'a plus de sens. Et aujourd'hui, tu vas dire ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ça et tout, ce n'est pas ça, c'est quoi? Tu crois que quand tu tournes là, on ne te voit pas? Tu penses que quand tu marches avec, on ne te voit pas? Quand tu entres en voiture, on te voit? On te voit? Et les gens ne sont pas aveugles. Les gens ne sont pas fous. Laissez les enfants des gens. Laissez, où tu choisis, tu restes en haut, tu restes en bas. La vie, c'est un choix. Prends ton petit gars, vous vous battez, vous évoluez. Si tu ne veux pas, reste avec les boss là-bas en haut. C'est comme ça, tu choisis, tu restes avec eux là-bas en haut. Ils vont te donner voiture, argent, maison, tout ce que tu veux, mais tu restes là-bas. S'ils ne te font pas ça bien, c'est ton problème. Mais laisse les enfants des gens. Non, mais attends. Regarde un jeune comme ça, plein de vie, vient de perdre la vie comme ça, je sais pas, comme un poulet. Comme un poulet. Non. Non, mais c'est pas. Tout ce qu'il y a ici, chacun en profite pour devenir star. Chacun en profite. Tu peux devenir star avec quoi? De toi, mon ami. Peu importe, les gens vont plutôt avoir peur de toi en disant que non, mais attends. Là où tu es, l'amour. Je veux pas qu'on finisse avec ma vie. Non, mais c'est quand même terrible. Ah, Seigneur. À l'instant. Elle peut en mourir. De toutes les façons, c'est un conseil que je donne aux filles, vraiment mes soeurs. Si tu vois que tu veux sortir avec les beaux pour essayer de relever le niveau de ta famille, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Il ne faut pas que la vidéo se coupe. Si tu vois que tu veux sortir avec les boss possibles, relever le niveau de ta famille, tu assumes. Maman, tu assumes. Et à un moment donné, quand tu vas arrêter, tu arrêtes. Tu arrêtes. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. La vidéo veut se couper. On veut couper la vidéo. Mettez.
Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Partagez la vidéo parce qu'il faut partager cet audio parce qu'il faut que la fille la. Si on ne l'a pas encore lavé le cerveau, il faut qu'on lui lave le cerveau au moins pour une fois dans sa vie. Non, mais ce n'est pas possible. Si tu veux sortir avec les boss pour relever. Tu choisis un boss, deux, trois, c'est ton problème. On s'en fout, c'est ta vie. Mais tu assumes, donc tu restes avec eux. Les boss ici, là. Parce que nous, les filles, on a souvent les potes, garçons. Ils ne veulent même pas entendre que ça. Ils ne veulent pas ça. Il n'y a pas les histoires de potes dedans. Ils te laissent, que tu marches comme ils veulent. Ils minuit. Il te dit couche-toi comme ça. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Il te dit couche-toi comme ça, c'est pas le devant ou c'est pas la nuit. Tu te couches, c'est comme ça. Et après, il te claque le million. Il veut se couper, mettez les cœurs. Il te claque le million, tu pars en boîte, casser les blabaraques, tu casses les champagnes, tu achètes le fric, tu voyages dans les jets privés, dans les avions, on connaît ça. Hein? Mais ne mélange pas. Ne prends pas les enfants des gens. Tu embarques dans tes choses. Ne mélange pas. Ne mélange pas. On ne mélange pas. Voilà. Tu assumes. Tu assumes ce que tu fais. Tu assumes ce que tu as commencé. Et tu continues dans cette lancée. C'est bien. Hein? Personne ne te juge. Mais de là à atteindre, à atteindre la vie des gens, ça devient déjà autre chose. Et maintenant, avant de passer, vous les gars là qui aimez marcher avec les jet-setteuses et avec les filles qui sont dehors, avec les filles, oh, je marche avec telle, je marche avec telle là. J'espère que vous avez bien vu. J'espère que vous avez bien vu. Parce que vous aimez souvent Ya ici dehors. J'espère que vous avez bien vu. Je marche avec telle fille. Je marche avec telle go. Elle va prendre les dos là-bas. Elle va venir me donner. J'espère que vous avez bien vu. J'espère. Tirez bien vos oreilles aujourd'hui. Partagez la vidéo, l'audio là. Partagez ça. Il faut que ça tombe. Il faut que ça arrive chez la fille. Elle doit écouter ça. Et si on ne l'a pas bien, on ne lui a pas donné des enseignements. Il faut qu'elle écoute. Comme ça, prochainement, elle va même venir faire semblant de pleurer. Surtout pour un gars populaire comme ça. Que ouais, Seigneur, j'étais avec lui, vraiment, je l'ai vu mourir. En plus, on dit que le gars est mort sur place, ma chérie. Tu viens, tu fais la vidéo, tu ne pleures même pas. Tu ne fais même pas semblant. Tu prends la peine de te connecter et d'aller sur Snap. Filtrer bien le visage, filtrer la photo et nous dire que tu as cassé ton ongle. Et nous dire que tu as cassé ton ongle. Ah ben, moi, j'ai rien eu. Je me suis battue pour prendre mon téléphone. Tu t'es battue pour prendre ton téléphone. Tu ne t'es pas battue pour sauver la vie du gars avec qui tu étais, maman. Eh, Seigneur. Eh, Dieu. De toutes les façons, maman, partagez la vidéo, l'audio. Que ça sensibilise les autres filles. Que ça sensibilise. Hein? Que ça les apporte quelque chose. La prochaine fois, pardon. Faites l'effort, laissez les enfants des gens chez eux. Et les gars là, laissez les filles là tranquilles. Elles ne vont pas prendre l'argent là-bas et vous donner. Elles ne vont pas prendre et vous donner. Mais c'est même ça le problème, même souvent. C'est que tu sais bien que c'est la go de tel. C'est la go de tel ministre, c'est la go de tel boss. Tu cours vite, tu commences à marcher avec elle. Parce que dans l'intention qu'elle va te les dos là-bas, venir te donner. Faites attention les gars. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Moi, j'en ai terminé. Oh. Bye bye. Je continue de pleurer.